moi gagne stand là en France avec moi dans radio là nous parle parler d'un programme qu'a fait dans El Rancho. On faut parler rapidement de Stanley, nous gagne un représentant là. Comment est ça qu'a fait tout dans forme? Ça fait longtemps là. Non pas ouais. On connaît nous gagne longtemps pas ouais parce que on connaît nous t'ai projeté faire activité pour mois de décembre mais malheureusement que on comprend ça pas de ca fait non pas non bon nous t'ai projeté faire là en Haïti. Ouais. Bien entendu mais nous, ça pas de ca fait. Mm-hmm. Nous t'ai obligé faire li. OK, côté oui, nous t'ai gué aussi dicté qui t'avait nous tout on belle line up dicté. Presque même genre avec ça n'a fait en Haïti en là demain soir en El Rancho qui s'est affiché deuxième édition de affiché. Ça fait 2 ans tout que nous avons tout profité célébrer l'anniversaire Stanley and Friends avec NYC Blitz. Ouais. Côté là, un plan assez intéressant parce que gagne bon. Comme des gars d'épice parce que bah il vraiment chaud dans El Rancho. Nous gagne Jackout Number One vibe. Woody Woodboy, Tony Mix, DJ Blitz et ou déjà connaît au Socilia avec un paquet d'autres DJ cap là c'est un mini festival on pour seulement 25 $ vous comprenez quatre déjà disponible dans Munchies Pétionville yo disponible tout dans El Rancho avec Gamebox $25 et sous elle prend même sous Eventbrite ou ca font ba intelligent prend sous Eventbrite parce que il est $20 seulement très bien. Do you know any Asian bands? Come pa ben? Asian ko pa ben? Saint-Clan. Yeah, Saint-Clan. You don't know Tabu Combo? You don't know Kai Class, T-Vice, Vibe? T-Vice, yes. Carry me. T-Vice. Tomorrow night we're gonna play with Jackout Number One. You don't know Jackout Number One? You have to play tomorrow night some Jackout songs. Jackout songs. Impossible Medji. Medji Impossible. Yeah. I don't know how to say the names, but I know the music. Okay. And I know who they are. Yeah. Okay. All right. No problem. Bon lagé compa pour mon yo katande. Monsieur Cap jouer compa donc moi pas tellement trop là, on t'attend moi. OK. Monsieur, welcome to Haiti. What's up, boy? What's Saka up? Saka fête, Sangela. Sangela. Pose. Non, c'est pas Sangela, c'est Sakgela. Sakgela. So, c'est comme ça, bagay. So, how do you know how you choose your Asian compa songs? I just listen to a whole bunch of songs and I choose the ones I like. Okay. I just listen to them over and over. Like, I'll go through a whole bunch of songs and then whichever ones I like, I put together. Together. Just mix them together, yeah. So you play the same song with the Haitian DJs. I don't know how. You don't listen to some Haitian DJs like DJ Stax, Tony Mix. You don't know Tony Mix? Tony Mix? Yeah, of course. Yeah. I know Stax, Tony Mix, Bula Alam, yeah. You don't have to listen to him? Do I listen to their mixes? No, yeah. Do I listen to their music? No, the mix of Tony Mix. Do I listen to his DJ mixes? Yes. Sometimes I heard, like, I listened to him. I listened to B-Mix before. Okay. Michael Brun, of course. I listened to some of Michael Brun. Okay. And, yeah. Okay. How do you see Haiti, man? Huh? How do you see Haiti? It's beautiful. Beautiful. It's a hustle it's city. It's your first time here? Yeah, first time, yeah. Okay. What did you learn when you come here for the first time? What did you learn at the airport? When you see the country, you say, what? The first word in your head. The sun shines bright here. It's beautiful. Beautiful. Like, that's the first thing I noticed was how bright the sun shines on the country. Okay. Like Jamaica? Like Jamaica? Yeah. Yeah, similar. All the islands are pretty much the same, yeah. Okay. Bon petit parler avec un représentant NYC Blitz qui là avec Stanley France parce que c'est pas dit les deux et m'a mourir. Alors, ça c'est nous font pile programme déjà et ici dans Port-au-Prince, nous fait Miami. Et moi, nous avons une volonté enragée pour nous toujours continuer à faire activité, pour nous continuer à faire programme. Quelle motivation ça sortit? Son passion, parce que nous avons une personne parfois nous fait des activités, nous n'avons pas réussi économiquement, mais nous avons toujours poussé. Nous avons une vision, nous avons expliquez-nous ça rapidement. Bon, ça, c'est une passion, parce que vous comprenez, nous avons une culture, nous avons une tête, nous avons une culture. Si vous n'avez pas une tête ou une mission, nous avons une
sont pas battre ton mission comme un ambassadeur ou bien un ambassadrice de culture, qu'est-ce qu'il va le faire pour vous comprendre? Pour nous-mêmes, nous pas garder le temps que c'est son business certes, mais nous pas garder le comme perdant, parce que qui ça, chaque activité nous fait nous créer un bagage différent, parce que nous pas fait bal, nous fait spectacle. Spectacle, vous comprenez? Ça veut dire bal monde... tout. Hein? Nous fait bal différent, mais nous fait bal tout. Oui, bal tout. Ouais, petit touche, petit bal en plus là-dedans. Ouais. Ça veut dire que bon monde qui pat qui gagne doit pat vraiment remet un bagage, mais qu'on a à cause de gens nous fait là, gens nous vend ni, gens nous étaler là, il vient retrouver là-dedans et puis qu'on a comprendre, il vient ca déguster lui en autre mot. So. Alors Miami dernier programme nous fait Miami, c'est ça nous inspirer, ça nous inspirer à nous joindre, pour qu'a font petit résumé rapidement de lui. Ça nous fait Miami, bon, gamba qui était hors de contrôle nous parce que nous pas contrôler ça, bon, le climat, nous pas contrôler la pluie, nous pas contrôler. Vous comprenez ça qui est arrivé, c'est que nous t'ont intempérie qui était vraiment dérangé programme là. Très bien. T'ont la pluie qui pas de jambe camper, vous comprenez ça Abdoulane, ça était vraiment dérangé programme là. Mais quand même il y a des gens qui étaient déplacés, avec l'appui en plus, ils ont vini, vous comprenez. Et puis ça montre nous que il y a des gens qui apprécient ce travail là, parce que vous calculez les gens qui sont là, ils viennent au programme en bas, pas appui. Vous comprenez, ça veut dire bonne volonté. Si bonne volonté, ça va nous force, ça va nous comprendre plus. Énergie pour nous continuer. Ouais, et dans le sens de l'énergie, c'est la même optique que nous avons fait approcher au sourcilier, parce que son équipe est vraiment énergétique, il est vraiment passionné de musique. Monsieur passionné de musique, pas de musique que c'est reggaeton ou bien dancehall ou bien ça que l'habitude. Son équipe garde la musique, on sens l'on angle universel parce que je suis pas arrêté confiné seulement sur musique la Kali. Exactement. Un peu aller un peu partout pour regarder est-ce que c'est, alors rapidement pour me poser une question parce que c'est aussi une belle interview avec est-ce que c'est parce que nous avons regardé monsieur Noël monsieur ouvert qui fait nous intéresser avec surtout li aborder comparé dans mix lio ou bien c'est parce que monsieur aborde en termes de prix. Non, nous toujours essayer innover, ça n'a fait, on comprend. Certes que monsieur nous ouais que monsieur vraiment gain on dit là, on touche qui vraiment qui différent de l'autre DJ, on comprend parce que Jean monsieur abordé pas seul qu'on pas l'aborder, monsieur fait reggaeton, il fait dancehall, il fait hip hop, il fait techno. Donc, avec monsieur parce que quelqu'un apprend jeune yo, moins jeune yo, exactement. Moins qui peut s'intéresser, on comprend. C'est un bail qui vraiment Jean-Michel a mixé son bail qui vraiment intéressant ça. Ça veut dire nous inviter tout le monde, on regarde sur YouTube son bagage, on prend l'eau vin vivre, on vient faire expérience à propre zoe, à propre zio. Mon cher, on pas déçu du tout. Et non seulement ça, line-up là on déjà connaît son c'est pas monsieur c'est headline en certes, mais line-up là son line-up qui vraiment intéressant parce que on gagne Jackout number 1, on gagne Vibe, on gagne Woody Woodboy, on gagne Tony Mix, on gagne DJ Blitz, on gagne DJ LP, on gagne Marshall, on gagne tant d'autres DJ artistes. Donc ça c'est pour demain soir. Pour demain soir pour $25 mes amis, pour payer a un problème mais vin battre ton anti relax anti on déconnecter de problèmes très bien intéressant mais DJ intéressant à regarder tout donc nous va regarder monsieur nous va faire parler avec lui tout à l'heure pour nous connaître ça porter pour Haïti malgré toute bagarre et puis peut-être après la faire parler encore il me souhaite une bonne chance pour demain hein. Bon merci beaucoup Guy ouais. Très bien allez. Avec nous Valessa Mercier c'est la fille de Ancito Mercier ouais mais ou c'est ou peut-être une demande qui est moins populaire dans la famille là parce que il va tellement trop qu'on est caché ou caché ou pas le populaire mais mes amis mon qui me voit qu'on voit visage c'est qu'on y a regardé ils ressemble à Ancito donc même dans coûte ou les a dans rat. Comment est Valessa? Bon, ben nous formes, nous là depuis matin et n'a mobilisé tout le monde. Okay. Et pour nous capable parce que nous connaît fête là après juste bon pas même dit fête là, pas dit événement. Ouais. Parce que c'est pas un bal, c'est une petite fête, c'est un événement. Ouais. Donc nous connaît que déjà au société qui rentrer pour craser El Rancho. Non. Et il y a Tony Mix. Donc toute line-up là juste enragé. Ouais. So, c'est du feu nous va mettre demain.
OK, ou même on vient là pour parler non de pour traduire pour nous, ouais. Bon. N'importe question posée, m'a répondre. N'importe question. OK, on s'en sait nous que dans l'introduction déjà avec on s'en sait première question de poser monsieur demander comment ça le comprendre le pays. Mm-hmm. Alors, on s'en sait dit question là me poser monsieur, avant il était venu en Haïti, ça l'était passé de pays. He wants to know what did you think about Haiti before coming in here? Coming here. Just from all the love I was getting, I knew it was going to be full of vibes and full of energy. So I was just eager to come just to feel it in real life. I mean, the world has a different perspective on Haiti, but you have to come here and see it and touch the people and see what it really is. You know what I mean? Everywhere is good and bad everywhere. So oh, yeah. I wasn't worried about coming here at all or if anything like that. But my whole perspective was, I knew it was going to be vibes. You know what I mean? But that's really much. Li dit que li pa peur du tout pour le rentrer Haïti et d'ailleurs même nous même li dit nous ça aller des côtés qui pi terrible que ça. Donc bon et li remet énergie a et li remet Haïti même. D'ailleurs li fait nous connaître même dans vidéo que li posté qui gens que li remet li envie goûter manger haïtien. Donc tout ça donc li trop content avec nous là. Très bien, très bien. Alors, mande monsieur, est-ce que avant li joue dans est-ce que c'est programme première fois le jouer pour haïtien ou bien est-ce que haïtien qu'on invite le jouer déjà dans des programmes pour communauté haïtienne? Mande question ça. He wants to know if it's the first time you're playing for the Haitian community. Wait. Yes. Like legit show, yes. I mean, I've been to Haitian parties, but nothing like this. First time. First time. Yeah. In Haiti first time? In Haiti first time. In Florida yeah. It was your first time for Haitian promoters. Yeah, a little bit like one or two. But it was nothing major. Okay. Yeah. Okay. C'est pas de gros bagages, c'est de la petit. C'est de quand même plus gros bagages. C'est Kounia, le bras vin jouer non event. Oh, event, okay. Sérieux. Ça fait me dit tout le monde demain, vin ouais, bah, ça vin ouais avec deux yeux, nous, parce que pas de garder après vidéo. C'est vini, vous ouais. Avec deux yeux, nous, ça fait le fait. Ouais, ouais. Alors, si monsieur pense que son event qui gros, est-ce que le combat est spécial que le préparer pour event, ça, que pour lui, c'est gros? Do you have something special? Yes, of course, but you have to come and see. Tomorrow. That's what's up. Ne pas venir venir pour jouer. Alors, je dis à c'est pour jouer avec haïtien. Est-ce qu'elle pas envisager est-ce qu'elle pas un artiste haïtien ou un DJ haïtien que le well qui font collaboration avec à l'avenir qui capable permettre les qui inviter tout la Cali, Jamaïque ou bien dans programme la faire aux États-Unis par exemple. Is there like a specific Haitian DJ or producer that you would love to make a song or a collab or something? Yeah, a lot. Michael Brun, Tony Mix, Sweet Mickey, DJ Bullet, it's good music. Who else? You used to talk to them? I talk to Tony and I talk to Bullet. Never talk to Sweet Mickey or nothing like that. But Monsieur là, vous avez profité. Impossible Medji. I met him 3 days ago. He's cool. I'll do something with him. But more like Rabodai or Kompa. Because okay. He does a lot of love music, but I would want to do something hardcore with him. Alors, modèle s'il t'a même présenté tête la communauté haïtienne comme un DJ international, Jean-Louvani dans NYC Blitzen and Sunday and Friends. Qui ça le cas de tête li pour moun ka met valeur sou li. Dis exactement ça pour moun ka met valeur sou li. Okay, I'm going to ask you the question this way. All right, yeah. He wants you to introduce yourself so you can put some value on yourself. So you can tell Haitian the Haitian, you know what you're going to bring to them. Oh Lord. What you want? You want a hype or you want? Oh, my name is Oso City. Yeah, it's Oso City. I was. The hype, Oso City. Yeah, yeah. Ah, you make me nervous. No. Yo, skinny bum 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 bum. Wagwan, yo, it's Oso City. Yo, first time here, modest rotted party tomorrow. I'm bringing the vibes, and I need a sexy Haitian girl to teach me how to dance compa. So I'm gonna pick like 2 girls, you know me, teach me to dance that compa. Saka fet sangela, Haiti Chevy, ungela ja. I don't. No, you know what I'm saying? So come out tomorrow, come vibe with me. I'm telling you, it's going to be straight vibes. You're gonna feel this energy, and that's 100%. Yeah. Alors, moi-même, bon, monsieur, bon, l'autre vibe, mais pas sans question dans ça. Sans question dans c'est de préférence pour le dim en termes de carrière, palmarès. C'est ça, un palmarès qui fait le gon qualification de DJ international, qui a fait mon respecter. Okay. What would you say
How do I ask that question in English? not to introduce yourself, but what, he wants to know. Yeah, yes. More or less. Okay. Accomplishment to consider yourself as an international. My name is Oso City. I'm an international DJ. Over 30 million views, 30 million streams. I played in over 8 countries worldwide. I have a worldwide fan base. Mm-hmm. I play on iHeartRadio. That's the number one media company in the world. Yeah. I have DJed for multiple celebrities such as Rick Ross, Puff Daddy. I played for Teyana Taylor. I played for DJ Khaled. I played for Kodak Black and many more. I could keep going on. I just played for many celebrity parties. Played on South Beach. Played all over America. I played on almost every continent. I have like 4 more continents to go. Then I touched every continent, played all over the Caribbean, multiple carnivals, multiple genres, almost every genre you can name. I produce music to the highest caliber, to the lowest caliber, every genre of music as well. What else? Albums, no albums yet. No albums. Yeah, but that's amazing. Sweet Mickey, call me. Let's do something. Ok, wap fote tradu pou moun yo? Oh, pou mdi Sweet Mickey. Non, pa sa, jom di ke li jwen nan pigou radio. Jom wè la mdi Sweet Mickey. Non, sa se sa vle, men moun yo tou fò kompren sa. Bon, mse di li jwen nan pigou radio ou Etats-Unis. E li fon, li jwa avèk ou paket gwa atis international. Li jwen nan plusieurs continents. Ba, sa, pou nta ka fon resume pou moun yo. 4 continents pou le frape. 4 continents pou le frape pou le mwen. Ouais. Comment did you say it encore? One of the best of on the world. Comment ça s'appelle? David Guetta. Do you meet him already? Nah, I never met David Guetta, but I know who he is. I've seen him play live many a times. He comes to Miami all the time. Okay. David Guetta c'est plus gros DJ français et qui gagne. Donc moi en Europe c'est un plus gros tout qui gagne. Donc moi monsieur c'est limite déjà. Si on rencontre déjà, donc parce que monsieur a une dimension internationale, ça arrive que tu as rencontré et joué déjà. Et je pense que chaque fois où vous touchez d'autres artistes internationaux, vous ajoutez une valeur sous. Vous comprenez ça, nous là. Donc c'est intéressant. Alors, c'est vraiment intéressant. Jeudi à demain soir, c'est rendez-vous dans El Rancho, $25 à l'avance. Ouais. As you can see, Associated in the City. Tout le monde demain soir pour nous venir garder. Pourquoi ça l'a je me dis mais c'est pour ça l'a jeu. Li why you move like this? I don't choose that. The music moves me. That's what the music does to me. You gotta move. You know what I mean? You're the feeling the beat. It's the energy, baby. You enjoy yourself, like What type of DJ? What type of DJ stands still? You know? Mm-hmm. That means you're really not doing it. Like you have to move, man. It's the energy that moves you. Yeah. Maman, écoutez ça, bel son, bon bagay. M'tan yon mande monsieur, est-ce que jouer qu'on parle là, c'est musique là qui t'a attiré l'avant ou bien c'est business là qui fait, comme si l'envie arrivait sous communauté là? Okay, he wants to know if playing the compa, actually with your compa mix, if you were attracted by the song, the music, the compa itself, or if it's just business? Nah, for the music, for the sound. I play, like, I'm telling you, this is the third time I'm saying this for today. I made these mixes with no intention on coming here. It's not what, like, I just made the mixes because I like the music. Okay, well, so you just play music là parce que la musique c'est bien sûr. C'est juste que les remets. Est-ce que ça a étonné le retomber musique là pour tes poulies puisque je vous dis elle commence à gagner gig dans la communauté haïtienne, la parler dans la radio haïtienne. Est-ce que le pensait le bon avenir là dans la communauté haïtienne pour jouer plus soit dans un gros festival? I don't know. Okay, do you think comment vous voulez me poser une question là? Est-ce que le pensait le gagner? Est-ce que le pensait lui gagner avenir dans la communauté haïtienne comme DJ? And the Haitian community. Yeah. Where do you see yourself? I mean, do you see as that DJ. You have a future in the yeah. I don't know. I don't have that perspective as Haitian community, Jamaican community, white community, Chinese community. I just see the music and I feel the music. Yeah, and I just put the music out like as I don't know how to position myself in something I don't see. Okay. You know what I'm saying? I just see the music and everybody on the dance floor, all different races, all different countries, all together. That's why I do multiple genres.
if I wanted to be in the Haitian community, I'll just do straight rabodai and compa and ra-ra, and I'll just stick to one genre. Okay. That's what majority of DJs do, that. They do just two genres. Either maybe Haitian music and dancehall, or hip-hop and reggae music. They mainly stick to those two, but like, I just don't see myself in one place. So I couldn't position myself somewhere I don't see myself. We all want to know if you're not surprised, if it's not a shock for you to see that you get a gig with the Haitian community, and then you started this with no intention of, you know. Yeah, it's a big shock. Because I do multiple genres. Like, okay, I do dancehall all the time. I never got booked in Jamaica once. I do start translating. Li fè dancehall, li pa jam, yo pa jam book li Jamaïque, pa même une fois. Ne pas Jamaïcain lié? I do soca music. Never got booked in Trinidad. Li fè soca, pa jam book li Trinidad. But with those genres, I get booked other places that listen to those genres. Like, I got booked in Israel because of the dancehall mixes. I got booked all over the States because of soca, of course, but the Afro house and Afro beats, Europe, all over Europe, France, England, Belgium, Luxembourg, and Spain, all because of Afro beats. So it's like we can say Haiti is the first country who actually booked me for their music. Okay, soca comes from Trinidad, never been to Trinidad. Dancehall comes from Jamaica, never been to Jamaica. Afrobeats come from Africa, never been to Africa. But I've been to other places, but compa comes from Haiti, and I actually came to the place where it gave birth to it. Ouais. So we can say that, yes. Ok. Et li dit que li pa, li, bon, li choqué, parce que li fait, j'aime, comment c'est traduit là, li fait soca, li pa j'aime jouer Trinidad, et li fait dancehall, li pa j'aime jouer Jamaïque. Par contre, li fait compa mix là, et puis nous-mêmes, Haïtiens, nous recevons, nous gardons la journée jeudi, hein, demain, li gen pour le vin craser El Rancho. Ouais. Faut moi dit ça, li va craser El Rancho, parce que Ligo énergie sont pas rager. Oui. Donc moi j'aime dire ça plusieurs fois, mais ma beau dit l'on colle pour El Rancho on fire. Ouais. Alors, how you can you explain your experience with those promoters? Say it again. How Everything's good. Everything's smooth. Probably one of the best promoters I've worked with internationally, honestly. No speed bumps. Anything I want, I get. There's no need for negotiation because they're giving me everything I want. Like, so I'm little baulus. Ouais, pas de négociation. C'est de Stanley. Ouais. Faut bien traduire ça. Tout ça le bail, il pas de négociation, donc il apprécie et gens que nous recevoir, li accueil que nous bali tout. Bon, c'était une priorité non pour nous faire artiste là sentir bien. Ouais. Et surtout que l'idée voulait connait culture haïtienne, non? Donc nous-mêmes en tant qu'haïtiens, son bail tout à fait normal pour accueillir avec des bras ouverts. Ouais. Surtout que l'idée qu'a choisi toute qualité musique, il fait compa mix, vous comprenez? Donc yeah. Et nous-mêmes en tant qu'haïtiens, c'est sûr que accueil là pas moins que ça ne bail là. Dis monsieur pour moi s'il voulait jouer plus dans la communauté haïtienne là, faut faire musique avec artistes haïtiens, il y a beaucoup plus. You definitely need to start producing with Haitian artists. Yeah, for sure, definitely. If you want to stay in our own community. Yeah, definitely, definitely. You understand? Yeah, of course. So you have to make some music with Michel Martelly, with Digital Namings, with DJ Stag. When you got some big event, we're gonna call you. For sure. Okay? We're gonna give you all you want. As we used to do. You understand? Yeah. M'a dit nous merci pour plaisir pour me dégainer non ça c'est it was a pleasure to meet you, so see you tomorrow night at El Rancho, play some compa dancehall and reggaeton, of course, everything some everything some afro beats, some dembo, yeah so I'm gonna you can tell them it's gonna be lit tell them that tomorrow night, you know what I'm saying, Stanley and friends, NYC Blitz mod party. Yo, tomorrow night is going to be lit. Crazy lit. You're going to come through. Vibes on deck. Yeah. Thank you so much. So, see you soon. Eddie. What's it? A tout à l'heure.